Ouais, aujourd'hui, je serai associé à Cyril Datome dans le Quintet. C'est un cheval que je connais bien et j'ai bien gagné en gain. À Vincennes, j'aurais sans doute fait jeu égal avec Orlando Jet. Il m'a fait la faute entre ligne droite. Il reste délicat. Donc, et en plus, une petite rentrée. Mais c'est un cheval qui est très dur à l'effort. Maintenant, c'est 25 mètres petite piste. Il démarre pas vite. Il ne s'élance pas vite. Donc, on sera sans doute au dernier rang. Mais il est capable de faire 1500 mètres en épaisseur très vite. De Ferré des 4, ça n'allait pas. Et bah, toutes ces belles perfs, il les a fait d'épée au Ferré des 4. Donc, non, c'est pas de problème pour ça. Ils m'ont parlé du bien. C'est une jument voilà, qu'elle alterne un petit peu les deux disciplines. La dernière fois, elle courait très bien. Donc, voilà, 2008 petite piste, je pense pas que ce soit un problème. C'est plutôt une question de parcours à ce niveau-là. El Greco Bello. Le cheval, je vais le découvrir, mais voilà, normalement, c'est des chevaux qui sont mécanisés à cet âge-là, qui connaissent leur boulot. Donc, c'est pareil, il est bien engagé, mais il faut que ça se passe bien, je pense. Un cheval qui peut aller de l'avant, j'ai vu des courses, faut que ça se passe bien dans le parcours, il peut prendre une bonne place. Pas Florette méritée. J'ai entendu parler du bien, je la connaissais pas, j'ai vu sa dernière performance sur la grande piste, c'était bien. Elle était quatrième, donc demain soir c'est 2002, normalement voilà, ça va lui convenir, mais voilà, c'est des pouliches castagnes de près, donc certes c'est la mieux engagée, mais bon, je pense pas qu'on a une marge, voilà, qu'on puisse faire les fous, faut que ça se passe bien aussi. We'll be right back.